Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce petit tuto, je voulais juste vous montrer comment réaliser une figure géométrique. Un peu trompe-l'œil, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc vous allez voir que pour réaliser ce tuto, c'est hyper facile. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Donc vous utilisez les trois couleurs que vous souhaitez. Et un emporte-pièce losange. Moi j'ai trois formes différentes, enfin trois tailles plutôt différentes. Mais une seule suffit largement. Et si vous n'avez pas d'emporte-pièce, bah vous pouvez très bien le faire à la main, ça va être juste un tout petit peu plus long quoi. Donc pour commencer, on va venir étaler nos pattes et ensuite on va venir les emporte-piécer. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à suivre le guide. Donc voilà, j'ai mes trois petits losanges et maintenant on va venir les assembler de cette façon-là. Histoire de former une forme géométrique. Donc voilà, au final on va obtenir un petit hexagone et on va venir faire ça avec tous nos petits losanges et toujours de la même façon, toujours en respectant le code couleur. Donc voilà, une fois qu'on a réalisé notre plaque, on va utiliser, enfin pour ma part en tout cas, du film étirable que je vais poser dessus pour étaler, pour bien fixer toutes les parties entre elles et enlever toutes les démarcations qu'il pourrait y avoir. Avec un tout petit coup de rouleau, pas trop non plus sinon ça va tout déformer. Donc une fois qu'on a fini, on va utiliser la couleur de notre choix qui va en gros nous servir de semelle pour fixer tout ça. Donc, un petit coup de rouleau histoire de bien faire tout adhérer et ensuite avec un gabarit ou un emporte-pièce que vous voulez, vous venez faire la forme que vous souhaitez et il n'y a plus qu'à faire cuire et le tour est joué. Et donc voilà le résultat final, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous en aspirez, n'hésitez pas à me montrer parce que je suis une petite curieuse et puis en plus de ça, ça faisait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Et en attendant, bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !